Comme tu te la pètes, frère, ça y est, t'as loué ton bateau là, je sais pas combien pour l'heure, tu flexes un peu trop, mets-toi en maillot, non? Fais péter les abdos. Fais gaffe, tu vas tomber par contre. Hein. Ouais, non, mais je comprends parfaitement. Bon, moi je vais te laisser, j'ai une livraison à faire, hein. Bonne journée à toi, frérot, tu parles beaucoup. Allez, ciao. Aïe, aïe, je vais me prendre le poteau. Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. De retour encore avec un Mercedes Actros. Tiens, bah tiens, pour changer les amis. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Nouvelle vidéo sur Grand Utopia. Avec, regardez, un paysage relativement magnifique. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouvel endroit, nous sommes à Bozelle. Nous allons faire une livraison que nous n'avons encore jamais faite. Je veux dire un trajet que nous n'avons pas encore fait en prenant la départementale de ici pour aller à New York. Direction New York, messieurs, dames. Oh là là, on va voir la statue de la nouille. Allez, c'est parti les amis, en tout cas, on va rentrer directement dans ce camion. Hop, bam, let's go, ça fait plaisir. Les gars, comme d'habitude, je suis très 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 content. Comme d'habitude, commentaire, pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. On est parti, vous êtes des dingues, vous êtes des dingues. Vous faites les records, vous êtes des foufous par ici. Par où on sort, je ne sais plus. Aujourd'hui, on transporte du câblage électrique, 15 tonnes de câblage électrique. Donc attention tout de même, il fait beau et fort heureusement. Donc il ne va pas y avoir de la pluie, hein, parce que s'il pleut, plus le câblage électrique, moi j'ai un petit peu peur. Bon, évidemment, ceux qui se sont occupés de ma remorque, ils ont fait ça tout bien, vous inquiétez pas. Mais quand même, moi ça me fait un petit peu peur. Alors, hop, j'ai découvert quelque chose d'assez stylé, je ne savais pas, le mode photo. Je peux appuyer sur une touche pour directement avoir le mode photo. Et en plus de ça, si je fais ça, j'ai un nouveau menu. Je découvre ça 30 ans après. Voilà, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et y a plein de trucs nouveaux, alors ça on connaît. Réglage des feux. Incroyable, rampe de calandre, tout ça, tu peux tout configurer, c'est trop stylé. Et normalement, si je rappuie dessus, eh ben, je reroule de nouveau. Non, c'est quand même fou, hein. Même plus besoin de faire échappe, ni rien, alors que c'est ce que je faisais à chaque fois. Donc vraiment, super sympa. On a un palmier devant nous, oh là là. Eh, cet endroit, il est vraiment stylé pour le coup. Cet endroit, il est vraiment stylé. Allez, on y va, on s'insère, direction New York, bien sûr. J'espère, les amis, que vous allez bien, que vous kiffez. Ce début de vidéo, je suis content du coup si tout est fluide de nouveau comme vous me l'avez dit en commentaire. Merci beaucoup d'ailleurs pour tous vos commentaires, en même temps de regarder ce beau paysage. Voilà, ceux qui ont souligné le fait qu'il y a du montage, évidemment les gars, je fais tout pour me donner un maximum, pour vous faire kiffer. Les gars, je tryhard en fait, entre les streams le soir, entre monter les best-of le matin, entre tournage vidéo, plus le montage de ces vidéos là, plus mon travail à côté, parce que je travaille à côté, vous vous doutez bien, hein, c'est pas avec 5€ que je vais aller bien loin. Donc les gars, vraiment, je tryhard de ouf et je suis très content comme ça, j'espère tenir très longtemps comme ça. Et mais tant que vous me soutenez à fond derrière, franchement, moi je suis chaud de night, je suis à fond, je suis trop heureux. Donc voilà, pareil, hein, merci pour bah justement pour le commentaire, je sais plus c'était de qui, mais bref, merci à vous par rapport au fait que voilà, je fais une vidéo par jour en ce moment. Bah, vraiment, je tryhard la vie comme on dit. Et on va prendre sur la gauche pour rejoindre la départementale. Donc hop là, avec un monument aux morts juste ici, c'est très très sympa. Hop, je marque le stop de manière approximative, hein, parce que bon, on n'a pas que ça à faire, si vous voulez mon avis. Qu'avons-nous là? Ah oui, j'ai eu le réflexe de tourner la tête comme si j'avais le suivi de la tête, alors que non, je l'ai désactivé, vraiment, je l'ai redésactivé, je me suis dit bon, ça me saoule. Bref, eh, attendez. Je sais pas lire? J'ai pas réussi à lire. J'ai pas réussi à lire à qui appartenait cette route iconique. Mais en tout cas, on y va. Est-ce que vous pensez qu'on peut atteindre les 250 pouces bleus sur cette vidéo, les amis? Est-ce que... Parce que franchement, le premier épisode, vous avez encore tout éclaté là. Ça continue, c'est incroyable. Merci beaucoup. Eh les gars, 250 pouces bleus sur cette vidéo. Est-ce que c'est jouable? Franchement, moi j'y crois. Moi je crois en vous, les gars. Donc on va tout faire pour... Vous kiffez aussi ça, le petit personnage qui vient d'apparaître, tac, il vous dit des petits trucs. Tu vois, il vous dit par exemple, je sais pas moi, d'aller me retrouver sur Twitch par exemple. Voilà, tu vois, il écoute ce que je dis, il fait ce que... C'est fou! C'est fou ce qu'on fait aujourd'hui avec la technologie, mec! C'est fou ce qu'on fait! Toujours la petite binouze à la main, bien sûr. À consommer avec modération. Un verre par jour et pas tous les jours, bien évidemment. Donc voilà, regardez-moi cette belle route. Alors juste quand même, vous m'avez dit du coup que c'est fluide, donc c'est vraiment cool, je suis trop content. Par contre, j'ai quand même remarqué que la qualité vidéo, ça n'a quand même rien à voir avec mon expérience à moi, donc c'est un petit peu dommage. Comme dit, j'essaye toujours de pousser un peu les réglages, de retoucher à chaque vidéo, mais c'est vrai que la qualité
n'est pas non plus la même que celle que je vis. Hein. C'est-à-dire, moi, je suis en full 2K, vraiment 0 pixel. C'est vrai que sur la vidéo, plus le traitement du YouTube derrière, ça change quand même pas mal la donne. Et malheureusement, j'y peux pas grand-chose. C'est bien dommage. Mais voilà, j'essaie toujours un petit peu de retoucher tout ça. Bonjour les moutons. Bonjour les moutons. Eh, demain, oui, je fais une transition entre moutons et Coupe du Monde. Franchement, il n'y avait aucun lien. Sachez-le. Hein, d'accord. Mais demain, 16h, France... Tunisie, si je dis pas de bêtises. Demain 16h, c'est-à-dire que demain à 16h, normalement il y a une vidéo qui sort. Sauf qu'il y a le match. Alors on fait comment? Je ne sais pas. Est-ce que je dois sortir une vidéo ou pas? Sachant que c'est le mercredi c'est sacré hein. Mercredi 16h, c'est toujours là que je sortais mes vidéos avant. Même si aujourd'hui je fais tous les jours. Vous m'avez compris. Mais est-ce que je sors une vidéo demain à 16h ou pas? Telle est la question. Telle est la question, bon. Vous me direz en commentaire, je vais voir en fonction de ce que j'ai sous la main, de ce que j'ai sous la dent, bien sûr. Et hey, merci à vous encore. Bah, je dis que des merci dans mes vidéos Euro Truck. Hein. Je suis désolé. Hein. C'est comme ça que ça se passe ici. Je vous pépon. Je vous pépon littéralement. Mais vraiment merci parce que depuis la dernière vidéo du coup, Euro Truck, où j'ai parlé de mes lives, où je vous ai poussé à aller voir mes autres contenus, il y en a qui l'ont fait, qui ne regrettent pas. J'en suis tellement content. Il y a des gens qui m'ont découvert, qui ont découvert mes live Twitch, du coup, qui m'ont rejoint sur le live Twitch, donc d'avant-hier. Incroyable, incroyable. J'étais trop content, et vous aussi du coup, donc merci beaucoup infiniment. Je vous l'ai dit, je vous ai dit que vous ne regretterez pas. Et pareil, ceux qui kiffent les montages, mais regardez mes best-of, vraiment hein. Vous osez pas cliquer, vous vous dites c'est pas du Euro Truck, sur la miniature il fait une grande tête, ah comme ça, non je ne cliquerai pas. Si, clique, et après tu vas voir, tu vas être obligé de cliquer sur tous les autres best-of, c'est obligé. Mais vraiment hein. Non vraiment merci à ceux qui font le pas justement de franchir, de ne pas que regarder Euro Truck. Et au final après c'est que du bonheur. C'est que du bonheur par ici. Joli. Joli, joli. Donc là, on arrive sur New York. Donc je ne savais pas qu'à New York, il y avait plein de tournesols comme ça. Tu vois? Pas besoin d'aller chercher dans d'autres pays. Allez. Oh, le camping-car sur la gauche, bien sûr. Bah oui, ici, on dort avec une belle vue. On a une belle vue sur les tournesols. Hop. Et on va s'arrêter directement ici. D'ailleurs j'ai réinstallé, enfin My Godness m'a réenvoyé gentiment puisque j'avais tout perdu hein, vu que je vous rappelle que j'ai perdu quand même pas mal de choses sur mon ordinateur pour ceux qui ont suivi mes aventures. Mais My Godness m'a renvoyé Akokan Island et My Gotopia. Donc bah, je vais vous montrer ça juste après quand on va finir la livraison, parce que sinon la vidéo va durer 7 minutes. Ce sera un petit peu terrible, vous inquiétez pas. Alors attendez, juste niveau, niveau manœuvre, qu'est-ce que tu nous proposes? Hein? Qu'est-ce que c'est cette histoire? On va le rentrer dans le hangar là? Ah ok, stylé. Trop bien. Avec plaisir. Avec plaisir. Vous remarquerez que depuis le début je fais toutes les manœuvres hein, quand même hein. J'en ai pas zappé une seule. J'en ai pas zappé une seule. Alors attendez. Ouais trop bien. Ça c'est réaliste. Ça c'est RP ça. Ça j'aime. Ça me rappelle mon stage de routier il y a un an et demi. Hop là. Même pas besoin de mettre de warning. Je suis là les frérots. Hop, on a même pas besoin de se mettre droit du coup, c'est ça ce qui est parfait. Je suis là les gars. Ah, Michel. Voilà, on a fait 6 km. Eh, franchement, ce qui nous sépare entre chez nous et New York, c'est pas beaucoup, hein, vous avez vu. Et on passe le niveau 2, bien sûr. Néophyte, ça fait plaisir. Et on va se trouver une aptitude. Longue distance, longue distance. On va rester sur longue distance. Email, transport exceptionnel. C'est parti, c'est dans la boîte, parfait. On a accès au transport exceptionnel. Je vais vous montrer donc, voilà, on a Cocaine Island ici. Je crois que rien n'a changé là-bas, mais bon, j'ai très très hâte quand même d'y retourner parce que ça va être vraiment stylé. En plus, ça tombe bien parce qu'on est pas bien loin. Faudra quand même qu'on retourne à Crotergersheim, bien évidemment, la même compagnie par ici. My Gotopia qui est juste là, avec quand même de la nouveauté. Je suis jamais allé, j'ai jamais fait cette route-là. Hein. On est allé jusqu'à Badwater à l'époque. Oh, j'ai trop hâte de découvrir, les gars, je ne connais pas. La tête de Wham, je suis jamais allé là, je ne savais même pas qu'il y avait ça qui était... Peut-être que Fox avait déjà fait une vidéo découverte à l'époque, parce qu'en vrai ça remonte, mais du coup moi j'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu. Oh, incroyable, incroyable. J'ai trop, il y a trop de choses à faire sur Grand Utopia, monsieur dame. Et puis il faut pas oublier de passer chez Fox à Chirac, hein, un jour. C'est où Chirac? Je me suis perdu. Oula. Bonsoir, ah Chirac c'est là, voilà. Faudra qu'on repasse chez Fox une fois. On va se faire une nouvelle mission rapide, messieurs dames, le prix kilométrique, qu'avons-nous là? Sainte-Marie-sur-Mer-Pontiac, on l'a déjà fait. Ah non, on l'a pas fait on a pas fait ce trajet encore. Donc moi je propose que ça nous fait de la thune. On conduit en plus un Volvo, 700 chevaux, des tracteurs. Moi je suis chaud, hein, let's go, hein. On prend direct. Allez, c'est parti les amis. Sainte-Marie-sur-Mer, Pontiac.
des tracteurs bien sûr à transporter. Le petit Volvo qui fait plaisir. Je crois qu'on n'a pas conduit de Volvo depuis le début de l'aventure, je crois. Pour ce quatrième épisode, jusque-là, on n'en a pas fait. Allez, let's go! Il est beau le DAF, le GPS est intégré. Au niveau de la remorque, on est tout bon. On a des petits gyrophares, bien sûr, à l'arrière. Ah, on n'arrive pas à le voir, c'est pas grave. Oh là là, ça va être de la... Ça va être une nouvelle façon de conduire de nouveau. C'est plutôt pas mal. Je suis bien installé, plutôt, ça va. Allez. On est parti, monsieur dame. Évidemment, j'ai fait chauffer le moteur plus tôt, hein, mais vous ne le savez pas. Hop, le gyrophare est bien allumé, parfait. Et on va quitter cet endroit, tout simplement. Voilà. Par où on passe? On va regarder un petit peu l'itinéraire, quand même. On est donc à Sainte-Marie-sur-Mer. Très bien. On va monter tout ça et on va arriver sur Pontiac. Donc, on n'a jamais pris cette route jusqu'ici. Un petit point d'interrogation? Non. Ah si, sur la route, il y a un point d'interrogation. Let's go. Parfait. Très bien. Superbe. Allez, ça fait plaisir. Cargo trace. J'ai même envie de dire qu'on va tracer finalement. Oh là 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 là. Oh oui. Je le prends en sens inverse. C'est tout réfléchi, vous inquiétez pas. Hop, je monte un peu sur le trottoir. Hop. C'est du convoi exceptionnel, hein, messieurs, dames. C'est comme ça que ça se passe. Par contre, on vérifie qu'on va faire peur à personne. Ok. Heureusement, on est dans une zone industrielle ici, donc il n'y a pas de véhicule. Hop, voilà. Je pense que dans tous les cas, c'était vraiment le truc à faire pour le coup. Donc j'ai bien fait. Oh, et puis il a de la patate le Volvo. Oh là 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 là. Là, il a de la patate, mon pote. Là, ça fait plaisir, là. Ça fait du bien à conduire. Ah bah, surtout vu ce qu'on transporte, on en a besoin de la patate, hein. Hop. Quel plaisir, messieurs, dames. Oh, le petit toutou. Le petit toutou, il est trop mims. Oh là, par contre, on va galérer. Hein. Là, on va galérer, mon pote. Hop. Eh, on peut tenter peut-être une petite miniature maintenant que j'ai compris comment faire en plein vol. On va tenter de faire des petits screenshots par-ci par-là. Hein. Et on est là pour ça, monsieur dame. Oh là là, c'est beau. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ah, j'aurais pas dû faire échappe. C'est pas grave. Allez. On est parti. Je vais peut-être me mettre en séquentiel. Ouais. La cinquième. Parfait. Le mode séquentiel, je pense qu'il n'y a rien de mieux dans ce genre de situation. Hein. Permet la sixième. Large. Ouais, on peut repasser en automatique là. Allez. Superbe. Oh là là, le bord de mer, c'est tellement cool. Personne derrière. Je peux faire ça comme ça. Nickel. Oh là 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 là. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté, ça, messieurs, dames. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oh là 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 là. La mer à perte de vue. À deux doigts de refaire un screenshot quand même. Hein. Franchement, vous avez vu, c'est rapide à faire. C'est waouh. La mer à perte de vue. Oh non, franchement. Franchement, on va quand même faire un screen. Ce sera peut-être pas la minia, mais bon. Franchement. Ah, j'ai encore du mal à gérer cette nouvelle interface. Bon, on va faire ça comme ça, c'est pas bien grave. Allez, on verra bien, il y aura probablement d'autres miniatures qui seront faites, hein, vous inquiétez pas. Oh, la petite plage. Route iconique de Xenix. Eh oui, Xenix. Qu'est-ce qu'il vient de Xenix d'ailleurs? Ah non, j'ai confondu Xenix avec quelqu'un d'autre. Je ne sais plus qui je suis. Bonsoir. Oh là là. Non mais là, je peux peut-être en refaire une miniature. Là, on peut en faire une belle. Je suis désolé les gars, je vais vous... Je vais vous saouler la vérité, mais je veux une belle miniature là, parce que franchement, on fait des beaux trajets. Voilà. Je veux vraiment une belle miniature, tu vois. Peut-être, faut qu'on voie le convoi de tracteur derrière quand même. Ah non, c'est pas fou. On trouvera bien le... Regardez, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer. On dirait vraiment qu'il y a quelqu'un qui se noie. Bon, bah ma foi. C'est pas drôle, hein. Vraiment, on ne rigole pas de... ce genre de choses, mais j'avais envie un petit peu de sourire là-dessus quand même. Petite vue cinématique. Waouh. La classe. J'adore. J'adore ce qui se passe, messieurs, dames. Les petits virages. Et là, je veux venir en moto. Hein. Là, je veux venir en moto. Bon, c'est des petits virages. Mais je veux dire, c'est idyllique avec le bord de mer juste à côté, quoi.
Hop là. Intérieur, extérieur, intérieur. En plus c'est pas du tout les bonnes trajectoires hein. La vérité c'est l'inverse, c'est extérieur, intérieur, extérieur. Mais ça c'est quand tu roules en piste bien sûr. Sinon c'est toujours extérieur, attention très important. Extérieur, extérieur, extérieur. Alors, ah, on va approcher du point d'interrogation. Et là il y a Jean-Pascal dans les commentaires qui va dire: non non c'est extérieur, intérieur, extérieur, tu connais rien. Bah, tu vas fermer ta bouche. Non, tu vas fermer ta bouche, ce sera bien mieux. Vous avez trouvé un nouveau point d'intérêt, let's go. Let's go pour la cinématique. R de Varon, ça va trop vite, j'ai pas le temps de lire. Interdit de tourner à droite. Ah, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, putain. Je vais me faire klaxonner par le camion derrière. Ah si, j'ai le droit. En passant par là, voilà. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh là là, c'est magnifique. Je ne vais pas regretter, je pense. Panneau solaire. Eh oui, panneau solaire au-dessus de la station. Très bien. Très très bien, très intelligent. Allez, bah les gars, on va se faire la... Hop! On va se faire la cinématique. Je sais plus. Pont de Varotte-Brouat. Est-ce que j'avais déjà vu ça ou pas? Je crois même pas. Hein. Je crois que c'est... je crois que c'est la première fois. Hein. Let's go. C'est beau. Le bus magique. Net, net. Les pompiers derrière. Le Volvo derrière, bien sûr. Globetrotter. Varotte-Brouat, 1956. Incroyable. Les panneaux solaires. Ah bah oui, bah tout simplement puisque ce sont des bornes électriques bien sûr. Voilà les véhicules électriques. Incroyable. Pas persuadé que ce soit tous des véhicules électriques ce qu'on voit, mais dans l'idée, l'idée est là. Magnifique. My goodness, le visionnaire. My goodness, le visionnaire. Très bien. Et bah c'est chouette, franchement je regrette pas de m'être arrêté ici. Mais pour moi c'est la première fois hein. Je pense que c'est aussi une des nouvelles routes. Et que bah vous savez que j'ai arrêté Eurotruck un bon moment quand même. Et donc ça tombe bien parce que c'est vraiment les nouveaux endroits que je découvre quoi. Ça, on a vraiment bien commencé l'aventure au bon endroit en fait je pense hein. C'est ça ce qui est cool quoi. C'est que dès le début je peux pas me lasser. Parce que dès le début je découvre de nouvelles choses. Alors on découvre ensemble, peut-être que vous connaissez déjà. Mais voilà, on découvre ensemble. Et puis après salut mon pote. Et puis après, comme tu te la pètes frère, ça y est, t'as loué ton bateau là, je sais pas combien pour l'heure. Tu flexes un peu trop, mets-toi en maillot, non? Fais péter les abdos. Fais péter les abdos. Fais gaffe, tu vas tomber par contre. Hein. Il est fou lui. Oh le chien. Il laisse son chien sans surveillance derrière le bateau, mais il est fou lui. Oh. Eh, y en a, ils sont fous quand même. Hein. Y en a, ils sont fous quand même. Hein. Allez. Je sais plus ce que je disais juste que je kiffe ma life. Et que, ah oui, et puis que par la suite, on va reprendre les routes qu'on connaissait déjà, mais qu'on se souvient plus parce que ça fait un moment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Faut prendre dans quel sens ce rond-point? Je comprends pas la logique. Mais d'accord, faut le prendre à l'envers, ouais, c'est ça. C'est un rond-point qui se prend à l'envers. Ah, c'est marrant. Ah, moi, ça me perturbe pas, hein, vraiment. Il m'en faut plus pour me perturber. Hein. Et voilà. On va pas marquer le stop. Hein. Y'a personne. Faut pas se foutre de ma gueule. On va pas perdre tout. L'élan, on a un radar ici. Ça, c'est cadeau, c'est Bibi qui régale. Merde. C'est Bibi qui régale. Et on va traverser ce fameux pont du coup. C'est cool. En fait, je me dis, on l'a déjà passé. Ça me fait penser à quelque part, mais en même temps, non. C'est marrant. Je sais pas si vous en souvenez, dites-moi en commentaire, mais je crois même pas. Hein. Allez. Fin de la zone 70, de toute façon je l'ai même pas respecté. Parce que je suis un fifou. Voilà, on voit la Corse, hein, juste en face bien sûr. Ouais. Wow. Non, c'est quand même vachement chouette. Hein. C'est quand même vachement chouette. What? Mais attendez, il y a trop de choses que je suis pas au courant. Écart de sécurité quand même, sait-on jamais. Avec l'appel d'air. Mais attends, on passe dans quoi là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Moi je vais bien trop vite, je suis désolé. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mais c'est magnifique.
Mais attendez, c'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique. Attendez, on y retourne. On y retourne de plus belle pour une pour un nouveau screenshot. Ah oui. Non non, mais là c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop stylé là. Comment je pourrais faire une... Attends, on va faire genre photo pris drone. Un peu, vous voyez ce que je veux dire? Comme ça. Tac. Ah bon, de toute façon, on peut changer l'heure. On va tricher un peu. Et puis par contre, on va mettre des nuages quand même pour que ça fasse peut-être plus joli. Oh. 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 Oh, franchement. Bon, je suis un petit escroc quand même. Hein. Merde. Je suis un bel escroc quand même. Hein. Mais dans l'idée, on incline. Hop. Eh. Hey. Photographe professionnel. Bon, ce qui me fait chier, c'est que j'aurais aimé que ce soit le camion pris de l'avant, mais bon, derrière, c'est moins sympa, quoi. Enfin, si, c'est sympa, mais moi, ce que je veux, c'est devant. Regardez comme c'est trop stylé. C'est trop stylé, oh. Non, vraiment, c'est vraiment sympa. Peut-être je peux faire encore une autre miniature comme ça. Peut-être plus lumineuse sur le camion. Non, c'est pas possible, le soleil, il veut pas. Mm. Ah oui, ça fait un effet de contre-jour. Oula. Bon, on va se contenter de ce qu'on a, messieurs, dames. Mais super chouette, hein. Super chouette cet endroit. Ah, j'ai kiffé. Et là on va partir à gauche. Sinon à droite. Ah ouais, il y a plein de réseaux routiers encore par là-bas. Ah mais on est là. On est là. On est là. Même si my goodness veut pas, nous on est là. Je suis déjà passé par là et je suis passé par là en réalité virtuelle, je crois, non? C'est possible ou c'est pas possible? J'ai un souvenir, mais je sais que je suis déjà passé par là du coup. Mais j'ai jamais pris la route qu'on a pris. Mais j'ai déjà pris cette route qu'on prend. Et au rond-point l'autre sortie. Ah purée, c'est marrant. Allez, on pousse. Waouh. Mais oui, je me disais bien que ça me disait quelque chose cette maison sur le toit là. C'est sur le rocher. Je me disais bien que je connaissais. Adieu. Alors on est mardi au moment où la vidéo sort. Donc je continue ma petite auto-promotion. Ce soir, ce sera pas du GTA 5 en live, ce sera du Call of Duty avec mon ami KefKefko. Donc vous le savez, c'est des barres de rire assurées également. Donc voilà, comme ça vous le savez. Hop. Donc vraiment, soyez là. Je compte mince, je compte sur vous bien sûr. Twitch.tv/mcolooff. Et on va tout simplement kiffer ensemble. Waouh, Volvic. Ne vous inquiétez pas, je reste concentré, je vais pas faire une cire Thomas, vous savez, regarder à droite à gauche, tout en sachant qu'on va rentrer dans quelque chose forcément. Hop. Allez, je marque pas non plus, hein. Franchement les gars, faut arrêter de déconner. Eh les stops, des fois c'est mal foutu, hein. Je pense à vous les chauffeurs de camion, ça doit être terrible, hein. Quand vous avez de la grosse charge derrière, mais même pas forcément de la grosse charge, déjà un camtar ça se la traîne. Sans déconner, vous devez marquer des stops dans des endroits où il n'y a pas forcément à marquer le stop pour le coup, quoi. Genre oui... S'il y a des voitures, mais là il y a personne, quoi. Franchement, gros big up à vous les routiers. Hein. Encore une fois, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un big up aux vrais routiers, mais force à vous. Hop. Ok, je peux couper un petit peu. Non, il s'avance quand même, l'enfoiré. Ok. On passe au-dessus du train. Parce que le train, c'est bien. Allez. Ça part. Eh vraiment, je suis trop content sur Steam à chaque fois. Je vois Margot, donc big up. Margot qui joue beaucoup à Euro Truck en ce moment. Je suis trop content. Ça fait trop plaisir de l'avoir fait plaisir. Et elle est tout le temps sur Euro Truck. C'est vraiment stylé, comme dit. Je vous ai converti, les gars. Je vous ai converti à la secte Euro Truck. C'est incroyable. Ça y est, on est arrivé à Pontiac. Et non pas à Montfiac, bien évidemment. Oh, regardez. Ah, l'avantage, c'est que je suis déjà bien placé. Non, franchement, c'est mignon. Vous trouvez pas que c'est mignon? Sans déconner, vous trouvez pas ça mignon? Moi je trouve ça mignon. Oh mince, je voulais pas dérégler le climat. Bon bah c'est pas grave, on va devoir retricher. Mais arrête, je me trompe de bouton. Profondeur. J'aime bien quand c'est profond. Hop, voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, faut que j'arrête de faire échappe. Ce qui est bien du coup en faisant ça, c'est qu'il n'y a plus vous savez, le chargement quand tu veux faire un screen. Des fois il y a un chargement et ça enlève tous les véhicules machin. Bah normalement en faisant ça, il n'y a plus de problème, quoi. Et donc c'est vraiment une cool. Allez, on est arrivé à Montfiac.
Quel plaisir. Attends, c'est pas là qu'on tourne, c'est après. Pareil, encore un stop. Oh putain. Enfin, là, je marque le stop, c'est pas un problème. Enfin, ça peut très vite devenir un problème. En plus, ils tournent tous à droite, les bâtards. Tout ça pour ça. Ne pas se fier au clignot, bien évidemment. Hein. Je suis déjà passé par là en réalité virtuelle, ouais, je m'en souviens. Trop stylé. Le feu est vert. S'il vous plaît, il faut que ça reste au vert. Il faut que ça reste au vert. Oh putain. On va éviter de se péter des amendes quand même, messieurs dames, on n'est pas là pour ça. Oh là là. Quel bonheur les amis, en tout cas j'espère vraiment que vous avez kiffé également cette vidéo. Si c'est le cas, vraiment n'oubliez pas le pouce bleu. On essaye les 250 likes, vraiment je compte sur vous comme d'habitude. Et puis vraiment vos commentaires. Vos commentaires, je le répète, mais les commentaires c'est important. Je vous lis, il y a des personnes derrière vos messages. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas juste des chiffres. Et donc c'est vraiment que du plaisir. Hop. Et comme d'habitude, vous connaissez ma transparence, bien sûr. Évidemment qu'il y a l'aspect algorithme YouTube parce que ça met en avant quand vous mettez plein de commentaires. Mais vous savez très bien que si je vous demande ça, c'est vraiment juste pour avoir le contact également humain en plus de ça. Donc voilà, pour être transparent avec vous. Vous le savez, je ne vais pas faire genre. Allez, on est arrivé chez les dinosaures. Peut-être un petit peu trop fort. Peut-être un petit peu trop fort. Ça passe! Vas-y, vas-y! Ça passe! Allez! Salut Michel! Comment ça va Michel? Oh là! On va faire comme tout à l'heure, hein? On va laisser passer Michel. Ça va mon pote? Tu me reconnais pas? C'est moi! C'est Mkolo! Eh! Putain, il m'a pas reconnu le con! Il m'a pas reconnu! Bon, bah c'est pas grave. Je vais aller lui dire deux mots là, je vais prendre mon café. Hop. Allez, ça c'est fait, monsieur, dame. Ah là là, que du bonheur, quel kiff. Les amis, à très très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mkolo. Je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde!